Ils ne sont que très rarement ouverts à la presse par crainte d'espionnage industriel. La visite des ateliers loiret-chériens de la célèbre marque de sac à main Vuitton était donc très attendue. Parmi les 18 sites français, 2 sont à Vendôme. Inauguration en grande pompe aujourd'hui avec les grands patrons du groupe LVMH et Bruno Le Maire, ministre de l'économie et de la relance. Reportage sur place d'Hélène Chapelet. À droite, l'homme le plus riche de France. À gauche, le ministre de l'économie. Pourtant, pas question de parler de gros sous à l'inauguration des 2 ateliers Vuitton implantés en Loire-et-Cher. Ici, c'est l'excellence française que l'on souhaite mettre en valeur et l'ancrage local au cœur des territoires. Dans le Vendômois, le maroquinier de luxe a déjà recruté 200 personnes. Il souhaite à terme créer 500 emplois. Auparavant, Christelle était assistante maternelle. Elle est en formation depuis novembre dernier pour intégrer de manière définitive l'effectif Vuitton. J'ai toujours eu un attrait pour les activités manuelles avec mes enfants dans mon ancien métier quand j'étais assistante maternelle. Donc mon agenda ne prévoyait pas que je termine maroquinière chez Louis Vuitton, mais j'ai eu cette chance et c'est incroyable en fait. De pouvoir apprendre si rapidement des gestes qui sont ancestraux comme ça, c'est intense, mais c'est que du bonheur. La majorité de ces salariés n'avaient jamais touché une aiguille avant d'entrer chez Vuitton. Tous ont été formés en interne à l'école des savoir-faire. 12 mois minimum pour apprendre à travailler les cuirs exotiques comme le python, le lézard ou l'alligator. On va apprendre déjà l'utilisation de nos machines à coudre, tout simplement. Toutes les spécificités qui vont aller de pair avec notre matière exotique, qui est donc un savoir-faire très particulier. Toutes les matières différentes vont s'approcher de façon différente. On apprendra donc à les manipuler avec le temps en fonction de leur réaction. Après, et direction Vendôme et le quartier Rochambeau, c'est là que le deuxième atelier Vuitton s'est installé. L'ancien bâtiment classé a été totalement réhabilité pour accueillir un atelier de fabrication de sacs à main. Si tous les postes ne sont pas encore pourvus, le patron a des arguments convaincants pour trouver de la main-d'œuvre. Au-delà du salaire, vous avez un intéressement au résultat qui peut aller, Michael, jusqu'à 18 mois de salaire par an. Donc, chez Vuitton, quand on entre chez Vuitton, on a envie d'y rester. En 2021, le numéro 1 mondial du luxe, LVMH, a réalisé un bénéfice record de 12 milliards d'euros. Un résultat supérieur à ceux réalisés avant la pandémie. 30 milliards d'euros de ventes ont été réalisés grâce à la mode et à la maroquinerie.